Eh bien bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Melvin89100 pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty 4 Modern Warfare, premier du nom. Donc je vous avais promis cette vidéo il y a un petit temps, donc c'est aujourd'hui que je vous la fais. Donc voilà comment ça va se passer, je vais aller en ligne. Chercher des parties au hasard, hein, et je vais jouer au sniper, le comment il s'appelle, le M60A3 je crois. Attendez, je vais vous le dire tout de suite, je fais quelque chose, voilà, tac, bon, tac, 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 tac. Donc aujourd'hui c'est la vidéo. Oups. Oups, j'ai laissé trop longtemps. Voilà. Donc aujourd'hui c'est la vidéo du jeudi, si je me trompe pas, jeudi ou vendredi. La vidéo du vendredi, oui c'est ça. C'est la vidéo du vendredi. Donc voilà, donc je la recorde le jeudi et puis je vous la ferai parvenir le jeudi soir, comme d'habitude. Alors, jouer en ligne. Alors, je vous montre vite mes classes. C'est les deux classes snipe. Alors, c'est le M40A3. Excusez-moi, je dis M60. M40A3. Et le M40A3, pareil. Sauf que c'est les deux mêmes. On va dire, attendez. Il y en a un, je vais changer son camouflage. Juste pour qu'on puisse les reconnaître. Là, ah d'accord, ok, bon on va faire comme ça. Oups, hop, hop, viseur ACOG. Je m'en fais un quand même ACOG, tout simplement parce que sur Code 4 le ACOG me dérange pas, il est même favorisable parfois. Allez, c'est parti, on recherche. Donc on va aller en MME. Ah voilà, donc on est sur plus torrentiel. Par contre, je sais pas si vous entendez les bruits des micros des autres en face, mais je vais les couper en tout cas. C'est pas que c'est embêtant, mais c'est embêtant. Alors, on va mettre la coque. Allez, hop, 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 hop. Par contre, j'ai deux barres, c'est bizarre. Option, ouais, c'est bon, allez. Donc, je joue en sensibilité 7 sur code 4. Et sur MW3, je joue en sensibilité 8. Bon, oui, d'accord, je commence déjà à contourner comme un fumier. Hop. Attendez. Ah dommage. Ah c'était bien dommage. Bon, j'espère que cette partie. Oh putain. J'espère que ces parties vous plairont. Oh lui il a volé. J'espère que ces parties vous plairont. Moi, ça me fait bien plaisir de retourner un peu sur Code 4. Même si vous avez vu mon niveau, je sais pas si vous avez fait gaffe, n'est pas très haut parce que j'ai pas joué énormément comparé à MW3. Surtout que je l'ai eu après. Ah, dommage. Eh c'est dommage, dommage, il y a des trucs, ça devrait parfois rentrer. Bon j'ai deux bars je dirais, c'est bizarre pourtant. D'habitude je tombe sur du 3 avant 4 bars. Il y en a pas là-haut. Donc j'arrive pas. Non non non. Ça vous voyez, le jour où c'est quelqu'un me fait ça en face et que je le connais. Mais sérieusement, je lui crie dessus, mais d'une force. Là, c'est tout simplement, je le connais pas, donc voilà. Moi, c'est un façon de jouer, il a les nids devant lui, il faut être plutôt dans les tirs normales. Donc, c'est juste pas, quoi. Mais. Ah, je m'en fous, j'en ai eu à la grenade. Mais, ouais, je trouve ça dégueulasse que lorsque vous êtes un sniper, que vous avez un sniper en face de vous qui essaye de vous avoir en quick scope, et que vous courez sur ce fameux sniper. Pour le côté, je trouve ça un peu lâche.
Voilà, par derrière. Regardez celui-là comme il est beau. Bon, allez. Ils sont tous à la K47, c'est un truc de ouf. Mais non. Ouais, ça démarrait bien là. Je suis la kill cam. Ouais, mais c'est avec le bombardier, bah, il veut aucun prestige là-dedans. Regardez ça, pourquoi j'ai deux barres? Bah, je vais quitter le lobby, je vais revenir tout de suite après parce que c'est chiant. Bon, je suis job de niveau au moins, vous me direz. Voilà. Excusez-moi. Bon, j'arrête de parler parce que j'écoutais un peu ce que les autres en face disaient parce que j'avais un micro, vous les entendiez pas, mais moi je les entendais. Alors, je joue encore à la COG, hein, je sais plus c'est quelle map celle-là. Allez, bon go. Ah, c'est bon, je me rappelle, ouais, il faut la COG sur celle-là. Avouez juste une chose, le quickscope que je viens de faire était magnifique. Oh! Bien joué, bien joué. En fait, je sais pas si je vais garder la coque longtemps, j'ai un doute. Attendez, il y en a un ici. Ah voilà. Oh, mais allez! Il y a les balles, vous voyez même pas d'où elles arrivent, quoi. C'est pas grave, vous me direz. Non! Oh, il joue au fusil mitrailleur, lui? T'es sérieux? Par contre, les kill scope sur ce jeu, les drag scope ou ce que vous voulez. Les tirs de sniper. Oh! Pas mal. Pas mal, il est passé. Je sais pas comment il est passé, mais il est passé, vous me direz. Bon, attendez. On peut sortir. Oh, magnifique. Non, dommage. Oh, je les enchaînais. C'était pas mal. Sérieusement, c'était vraiment pas mal. Je suis content de moi. Ah, bien joué. Bon, comme je dis souvent, je suis pas fait voir tech non plus, donc est-ce que je me débrouille un peu au snipe, quoi. Oh, bien joué. Je sais pas si c'était lui que j'étais en train de viser qui m'a eu. J'ai pas regardé la killcam. Oh, dommage. Et ils sont pas trop mal en face, hein. Niveau snipe, ils ont, on va dire, à peu près le même niveau que moi. Ils sont pas trop mal. C'est pas non plus des phase war tech, vu qu'on peut les killer facilement. Ouf. Vous voyez, j'essaie de scoper le moins possible. Et là, je ne surjoue pas, hein. Je joue vraiment comme ça au sniper. C'est que j'essaie de pas trop rester. J'essaie de temporiser un peu, mais sans rester trop longtemps à un endroit. Et quand il faut vraiment scoper, je ne gêne pas. Mais
tiens, je suis pas non plus. Oh la tête là, elle passait. Ouais. Bon d'accord, il n'y a pas de souci. Par contre la tête, sérieusement, j'étais persuadé à 99% que... Moi où j'ai failli être marqueur. Il était pas mal quand même. Je vous ai pas montré mes atouts, mais... Enfin si, je vous les ai montrés, mais je vous ai pas dit c'était lesquels. Je sais qu'il y a visée solide, force d'opposition. J'ai pas grand chose en atout à ce niveau-là, mais... Oh, dommage. Et vous voyez, il y a pas mal de snipers sur code 4, c'est pas mal. Si vous voulez vous entraîner un peu au snipe. Même si à chaque Call of Duty, le snipe change un peu. Marqueur magnifique. Oh, j'aurais pas dû rester devant. Je n'aurais pas dû rester devant. Il m'a eu à l'USP tactique, d'accord. Et aussi pour tous les joueurs de PS3 qui ont code 4, je voudrais savoir si vous avez déjà joué à code 4 même sur PS3. Est-ce que ça vous dérange pas le fait qu'il n'y ait pas de vibration sur ce jeu, parce que le manette DualShock n'était toujours pas inventé lors de la sortie du jeu en 2007. Oh mais il était bon celui-là. Ouais, en fait je pense qu'avec le temps de latence pour lui, j'avais pas tiré alors qu'en fait j'avais très bien tiré. Je fais du 8-13, c'est pas excellent excellent, donc je vous garantis pas, ouais, des... Oh, je ne garantis pas des 25-0, hein. Je suis quand même pas un fou à ce point. Non, attendez. On va juste tester avec celui-là. En gros, plus viseur à coque, viseur normal. Jamais rester là, compris. L'autre essaye de me cutter. Hop, stop. Parce que je me suis pris. Bon, je vais rien dire. Par contre, le noscope il était pas mal. Je me suis retourné, bam, noscope, il a rien compris, le pauvre. Non, ça c'était un ennemi, mais tu te fiches de moi. Oh, je suis trop deg. Ouais, on arrive à la fin. On va essayer de faire la kill cam. Même s'il n'y a pas de kill cam final mode. En tout cas, bon, d'accord. Bon, 9-17, hein, c'est pas extraordinaire. Je vais bien vous l'accorder. Mais bon, cette vidéo va durer encore, on va dire, pendant deux parties, après j'arrêterai. C'est pas mal pour une vidéo. Vaste swag. Hein. Attendez. Bon, j'espère que cette vidéo vraiment vous plaira, hein. J'essaie de trouver. Excusez-moi, je me suis couru. Voilà, c'est ça que je voulais mettre. Voilà, Flying. C'est le nom de groupe de ma team. Vous ne les entendez pas, je crois, mais ils gueulent pas mal dans le micro. Bon, on va prendre ça. J'ai bien le viseur à cog.
Voilà, magnifique. Bon. Y'a pas de soucis, sérieusement. Pas de soucis. Oh la vache. Je sens que cette partie sur cette map au snipe, ça va être vraiment chaud. Road difficulty. Non, excusez-moi. C'est pas road difficulty non plus, mais c'est juste que ça va être un peu chaud. C'est pas la meilleure map pour le snipe. Ah, dommage. Il y en a quand même de trop au snipe, hein. Celui qui m'a tué, c'était un sniper, je crois. Putain, le monde qu'il y avait, je l'ai pas eu là. Bon alors. Attendez, je prends un petit peu la MP5 là. Alors aussi je vous l'ai pas dit, bah si je vous l'ai dit, je me demandais si ça. Ça fait vraiment bizarre de passer de tous les Call of Duty où les vibrations sont présentes et que vous passez sur Call of Duty et puis vous tirez, il n'y a pas de vibration dans la manette. Non, ils sont tous à la MP5. C'est comme tout à l'heure, ils étaient tous à la cab, là ils sont tous à la MP5. Oh là là, mais regardez, ils sont tous à la MP5 sans exception, c'est un truc de ouf. Non, regardez, il était en haut. Il en a tué autant avant. Bon. Voilà, ça c'est fait. J'adore par contre la façon de recharger du sniper. Elle est hyper jolie. Oh. Oh mais putain, il a du mal à mourir celui-là. Oh. Oh dommage. J'ai dit oh kill feed et en fait non pas du tout. Alors. Oh! D'accord, j'arrive, je me prends une grenade en pleine face. Et mon bombardier n'a rien fait. Ce n'est pas grave. Mais vous voyez, j'ai même pas le temps de scoper quoi. Je vous jure, pour moi, j'avais déjà commencé à scoper, mais en fait, pas du tout. Enfin, pour eux, pas du tout. Allez, bouge. Quand même, c'était pas mal le petit passage tout à l'heure. Hein. Presque kill feed. Ah mais c'est impossible, vous avez pas le temps de renvoyer une grenade, c'est quoi ce délire? Il y a eu 3 quarts d'heure pour la prendre, 3 quarts d'heure pour la lancer. Au final c'est une heure et demie pour relancer une grenade à MP5. C'est un peu chaud quoi. Non! Non! Ce gros snipe complètement cheaté. Bon, c'est pas grave. 7-13! Vous êtes sérieux que j'ai fait le même score? Ah, j'ai l'impression d'avoir fermé, vous voyez? C'est bizarre. Par contre, tout à l'heure, sérieusement, il y avait le passage de tout à l'heure, il était pas mal. Bon, cette map, c'est comme j'ai dit, c'est pas la meilleure pour le snipe. Ça fait déjà 20 minutes qu'on recorde. Hein. Ça passe vite.
Bon, j'espère que vous ça va bien pendant que vous regardez cette vidéo un peu détente sur Code 4. Et j'espère que ça vous plaît, que je sors des vidéos tous les jours. J'essaye de fournir assez de travail pour faire cela. C'est pas facile avec les cours, mais j'y arrive pour l'instant. Je sais pas combien de temps je vais tenir ça. Et bon. On va essayer, c'est pas. Enfin, on va essayer de tenir le plus longtemps possible comme ça. Et pour la suite, vu que l'intégrale de Call of Duty MW3 est finie, j'aimerais bien savoir si vous avez des idées pour un nouvel intégrale. Et non, mais sérieusement, ils peuvent pas se faire juste 5 secondes là? Oh! Sérieusement, hein, juste. Je demandais pas grand chose, juste 5 secondes quoi. Les gars, c'est un moulin à parole. Et je me rappelle de cette map. Un peu infiltration là. Il y en a un là qui va m'arriver sur la gueule, non? Exactement, vous voyez. Ah, MP9. Je crois que c'est un MP9. Oh, allez! Au moment où il m'a lancé la grenade, c'est là que je saute, quoi. C'est abusé. Oh non! Mais d'où il... Qu'est-ce qu'il foutait au spawn, lui? Oh! Martyr! Et là, on pourra rien faire, je crois, sur cette partie. C'est... Ah, mais bouge de là! C'est quoi ces gars qui restent sous le même bâtiment, là? Allez, bien sûr. Oui, pourtant, je suis pas si mauvais que ça au snipe, mais bon, quand vous avez des gars à la mitraillette devant... Allez! Par contre, lui, était je sais pas à quoi, mais bon... tout rouge. C'est abusé, vous voyez comme c'est abusé. Les games cogitent direct alors que moi j'ai du mal à les cogiter d'une force. Oh là, j'ai lagué, moi c'est pas grave. Hop. C'est pas mal le petit quick stop là quand je suis été le chercher. Oh l'autre, voilà, il est à... Vous avez vu, il a couru vers moi, il est derrière moi quand même. Plutôt normal. Dégage, je trouve ça honteux. Les gars, vous êtes 4 devant moi et il y en a 3 qui font diversion, t'en as un autre qui arrive derrière toi, il te cut quoi, c'est pas le délire. Quoi. Non! Où? Oh, une Claymore. Bon. Nous allons réussir à faire quelque chose de pas mal, peut-être. Oh! Mais regardez, on les voit pas. C'est un truc de malade, comme on les voit pas.
Putain, j'avais la double devant moi, là, y'a rien qui prend. C'est la collate, quoi. Je suis bloqué. C'est bon, je suis bloqué. Allez. Regardez ça. Eh ben les gens comme ça, c'est beau, hein. Bah allez, je vais faire juste... Bah, je peux pas monter par là, magnifique. Je vais aller voir si je peux pas les déloger, en fait. J'ai contourné. On va tenter, hein, si on y arrive. Regardez, c'est pas... Est-ce que c'est pas abusé? Juste abusé 5 secondes. Sérieusement, je... Je vois même pas l'intérêt de faire cette partie là parce que... les gars, ils... Je veux dire, vous leur tirez 3 balles dessus, ils prennent rien. Alors, eux, ils arrivent, bam, direct, je vous mets une tête, quoi. C'est... Allez, regardez ça. Ça c'était pas mal, ça, je vais vous l'avouer. Oh, j'ai eu au couteau. M'en fous, j'ai eu au couteau. Bon. Là, je me suis permis de sortir le couteau parce que je crois que le gars qui était devant moi était au snipe. Super oui. Dans les snipe, j'aurais tenté le duel. Allez, je suis où là? Regardez ce spawn. Je spawn comme ça dans le mur, quoi. Normal. C'est trop abusé, ça. Sérieusement, les fenêtres de cette map sont trop abusées. Allez, je suis baisé. Oh, par derrière! Non! Et à la fin, c'était pas mal. À la fin, je me suis un tout petit peu rattrapé. Bon, 8-19, c'est pas là. C'est pas le meilleur score du monde, mais. On va dire que c'était une petite vidéo détente sur Code 4. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà. Donc, c'était la vidéo du vendredi. J'espère qu'elle vous aura plu cette petite partie sur Code 4. Et on se retrouve, eh bien, demain pour la prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde, prenez soin de vous.